Bienvenue pour une nouvelle vidéo de Edge of Z Origin. Ce soir je vais vous parler des monstres qu'on doit tuer très souvent. Alors, il en existe combien de sortes Il en existe beaucoup. Vous avez les petits monstres qui, va, qui vont de niveau 1 à niveau 30, qu'on a tout le temps. Ou presque. Ensuite, vous avez les Vio, vio... Mire. Je vais finir que je dire en vomissant. Vous avez les T-Rex. Ceux-là, ce sont, on va dire, les plus classiques. Et ensuite, vous avez la mer morte et le point destructeur. Pour cette vidéo, qui sera en deux parties. Je vais vous parler d'abord des premiers, les petits monstres. Vous avez au tout départ ces petits monstres là. Donc vous avez des chiens zombies forcément, les molosses, les zombies, les ours. Les gloutons. On a oublié au milieu. Non, j'ai dit lui. Le boucher. Et surtout le plus intéressant. Ils sont tous jetés dessus aujourd'hui. Le Béémon à l'âme. Bon, le gros tout vert, quoi. Le gros mammouth. À quoi ils servent Eh bien, en fait, à chaque fois que vous allez les attaquer, vous allez récupérer des objets et de l'expérience. Voilà le style d'objet que vous pouvez arriver à récupérer. Des fois, vous avez des petits paquets où il y a marqué expérience pour votre expérience personnelle du commandant. Mais vous pouvez aussi récupérer bon nombre d'autres choses. Alors, je ne sais pas si je les ai gardées. Non, ça, c'est mes ruines. Voilà, par exemple la mer morte, vous pouvez gagner de l'ADN, de l'XP et du fluide bio, biologique. Hop, un peu plus loin, on doit avoir le point destructeur. C'est en soi la même chose. Là, vous gagnez du minerai d'énergie, de la viande mutante. Tout sert à quelque chose, je vous rassure. La viande mutante, ça vous permettra d'améliorer euh, vos titans sur certains points. L'ADN, ça va vous permettre de les rendre, de les faire évoluer en niveau. Donc, n'hésitez surtout pas à les faire. Allez. Non, je vais trop loin. Pardon. Mais surtout, n'hésitez pas à faire cela. Les plus gros. L'avantage des rois, c'est que vous allez obtenir des récompenses plus grosses. Après, à savoir une chose si vous allez sur le territoire de votre alliance et que vous avez des monstres qui sont dedans. Vous pouvez aussi et surtout obtenir des récompenses, des fois, je ne vais pas dire plus intéressantes, parce qu'il faudrait que les roses soient dedans, mais vous aurez des récompenses supplémentaires dues au fait que le monstre est sur le territoire. Il arrive. Là, c'est pas flagrant. Non. Voilà. Récompense de territoire. Vous avez vu, on a récupéré quelque chose. En plus, Donc vous vous doutez bien que euh, si vous arrivez à mettre des drapeaux au niveau des zones mortes, euh, ben vous aurez forcément la récompense de la bataille qui est forcément intéressante, mais en plus des récompenses de territoire supplémentaires, ce qui n'est pas négligeable du tout. Alors, pour certains, vous allez d'avance me poser la question, tu mets quoi dans ton armée vous le voyez, je suis niveau 33, j'ai que 11 000, enfin presque 12 000. Et je peux, sur des niveaux 30, je peux envoyer jusqu'à 5 flottes. Vous le voyez, j'ai v... activé mon VIP et je peux envoyer jusqu'à 5 flottes. Si vous êtes donc comment que vous avez à peu près la même puissance, et quoi que je sois à partir de 10, on doit pouvoir le faire, c'est pas compliqué. Vous prenez le pourcentage. Tout simplement. Vous faites OK. Vous n'oubliez pas vos petits zombies. Vous le mettez à côté. Surtout qu'en plus, depuis euh, pas l'avant-dernière, mais une autre avant, ils nous ont augmenté le nombre de configurations. Vous cliquez sur la petite disquette qu'il a pour enregistrer et vous cliquez sur le chiffre qui vous intéresse. Moi, l'occurrence, euh, c'est 5 flottes, 4 flottes, 3 flottes, 2 flottes. Ma flotte principale d'attaque. La septième, c'est pour quand je fais mes ruines. La sixième, c'est pour quand euh, j'ai déjà attaqué quelqu'un. Et euh, mon but, c'est de récupérer toutes ces ressources. Donc vous voyez, maintenant, on a largement de quoi faire joujou pour attaquer, que ce soit des zombies ou des personnes. Les T-Rex, bah, vous pouvez utiliser quasiment euh, les mêmes configurations. Euh, je vous recommande par contre, euh, il l'a mis il y a longtemps. Ouais, il l'a déjà mis. Hop, on va aller dessus. Il n'y en a plus. Zut. Bon, mais niveau 5. Hop. Quoi mettre pour tuer un T-Rex bah, Honnêtement, si vous avez déjà autant de puissance. Ça sert à rien de vous prendre la tête. Si vous êtes ne serait-ce que deux, ça passe. Mais les doigts dans le nez. Là, je mets cinq pour que euh, les copains, ils aient le temps d'y aller. Je crois qu'il y en a qui pas lancé aussi. C'est pas forcément utile de mettre les zombies. Hop. Moi, ce que je vous recommande, c'est quand vous en faites deux espérons que je mets pas le même non ça va voilà là par exemple vous envoyez une deuxième flotte vous avez déjà envoyé vos titans là pour combler ben, vous mettez vos zombies voilà c'est la seule chose que je peux vous dire pour euh, pour les t-rex pour les t-rex à partir du moment où vous êtes deux dans votre alliance je pars après par rapport à mon niveau je rappelle que je suis niveau 33 j'ai des compétences que certains n'ont peut-être pas. Euh, donc à 2, c'est largement faisable, même à niveau 6. En revanche, si vous avez, si vous êtes à un niveau plus petit, euh, du style 25-26, les T-Rex, je rappelle que les ralliements, c'est jusqu'à 5 personnes. N'hésitez pas à sélectionner celui qui a... Je ne sais pas si ça va le prendre. Non, il faut que j'en sélectionne un autre. Hop là, non c'est pas là dedans. Euh, Tac si c'est là. Là par exemple, mon ralliement monte presque jusqu'à 2 millions de troupes. Ça veut dire qu'on peut mettre pas mal de monde. Sélectionnez de préférence la personne qui a le plus le plus gros ralliement pour pouvoir tuer les plus gros, T-Rex et puis vous essayez en fonction de votre niveau. En règle générale, si vous à partir de 25-26, si vous avez un, une bonne puissance, si vous êtes 4, les niveaux 6, vous pouvez les tuer. Largement. Après le tout, c'est. Il ben, faut les faire un par un, pas forcément un par un. Vous commencez à partir du niveau 3. Et vous voyez ce qui passe. Après vous l'avez vu, il euh, y a un nombre de quotas à faire. Moi il m'en reste encore... Ah, attends, -toi Moi il m'en reste encore 8 à faire, donc je vais les faire ce soir, tout en sachant qu'il y a encore la journée de demain. Ce que je vous recommande, euh, quand c'est comme ça, que c'est sur deux jours, essayez de faire essentiellement pour ceux qui ont des bons niveaux de faire que des niveaux 6 quand ils apparaissent. Ne faites pas que des niveaux 5 parce que c'est bête. Parce que du coup, euh, au niveau du jeu, il y a un quota à la fin qui est fait, vous obtenez des récompenses. Et ben, si vous avez fait des niveaux 5 et des niveaux 4, ben, forcément, vous aurez un peu moins de cadeaux. En ce qui concerne la mer morte, quelle configuration adopter Eh ben c'est pas compliqué du tout, du tout, du tout, du tout, ça le fait tout seul comme un rang. La mer morte, c'est la seule qui n'a pas besoin de configuration, elle prend la capacité totale de vos troupes. C'est-à-dire que si vous avez euh, 10 millions de troupes, ben ça on verra 10 millions de troupes dessus. Après, n'hésitez pas au bout de deux attaques en revanche, ainsi que quand vous faites le point destructeur, quand vous faites deux attaques, vous arrêtez, vous soignez, et ensuite vous renvoyez deux attaques. Pourquoi En fur et mesure que vous allez attaquer la mer morte, bon maintenant ils disent la reine, euh, et le point destructeur, vous allez blesser des troupes. Ces troupes sont quand même importantes, parce que c'est des troupes vous, qui sont sélectionnées. Il va falloir que vous les soigniez parce que sinon, je ne sais pas s'il y a une différence. Là, vous voyez, là, j'ai baissé d'un point. Et bien, des fois, un point, et bien, ça peut faire la différence par rapport à un autre. Ça peut vous faire changer de classement. Comme par exemple, euh, entre les 50 premiers et les 50 jusqu'à 100, bien, si vous étiez 50, bien, vous faites partie des deuxièmes. Si vous êtes 49e, bien, vous faites partie des premiers. Donc forcément les récompenses ne sont pas les mêmes. Donc n'hésitez pas à faire bien attention. En ce qui concerne le point destructeur, il est là pépère. Le point destructeur, j'ai essayé de plein de configurations et la seule qui me donne le max de points, c'est la configuration que j'utilise pour les ruines. C'est-à-dire que pour les ruines, à l'avant je mets un, au milieu je mets un et à l'arrière. Après c'est comme tout, ça dépend à quel niveau on est. Bon là ça me met ce qui me reste en fait. Donc là vous imaginez il y a la ligne de snipe au-dessus. Donc moi je mets tout au snipe, je complète avec le canon laser et je mets un au mortier. Et un haut bouclier, j'ai essayé d'harmoniser, voire de mettre un peu de mortier, de mettre des tanks, et au final, ça reste cette configuration là euh, la plus efficace. Pareil sur le point destructeur, comme je l'ai dit pour la mer morte, n'hésitez pas toutes les deux attaques à soigner vos troupes. Contrairement aux zombies classiques, à nos chers T-Rex et au, je vais arriver à dire, Vio Voromir. Ouais, j'ai réussi à le dire. C'est un vomir ce nom. Je ne sais pas d'où il en sortit, mais il faudrait qu'il change. Sérieux. Les T-Rex, comme les Voromir, c'est fait sur la même base. C'est-à-dire que qu'il ben, faut les sélectionner. Il y a un ralliement. Et ça va dessus. Il n'y a pas spécialement non plus de configuration. Vous envoyez ce que vous avez. Si vous voulez en tuer plusieurs, eh ben, il va falloir vous divisez euh, vos trucs. Mais à ce moment-là, il faudra être plusieurs. Les T-Rex, il faut être d'office d'eux. Les vous-ivres. Les vous-ivres. Je vais y arriver un jour. C'est sur la même base aussi. Donc, il euh, n'y a pas sur les zombies classiques. Donc, les classiques, donc les petits de 1 à 30. Les T-Rex et les, les vous-ivres. Vous n'avez pas de configuration stricte pour les tuer. C'est en fonction du nombre que vous êtes. Hein. Par exemple, pour les T-Rex, c'est sur du ralliement. Il faut d'office de 2, par contre, pour le T-Rex. Les vous-ivres, ce n'est pas une obligation vous pouvez être tout seul à aller dessus quoi vous dire de plus sur ces petits monstres il n'y ben, a pas plus qu'est ce qui peut vous aider ben après vous avez en fonction des en fonction de vos bonus bien sûr que vous pouvez gagner en fonction de certains événements ou si vous avez beaucoup de points d'alliance, vous pouvez demander à obtenir des bonus. Les bonus du style bonus attaque qui augmente le pourcentage d'attaque de toutes vos troupes, que ce soit avant, milieu, arrière. Augmenter la capacité max de votre flotte. Attention, ça augmente la capacité d'une flotte. C'est-à-dire que si vous à un moment donné... Euh vous avez 2 millions de troupes et que les 2 millions, vous pouvez envoyer 1 million de troupes sur une flotte et que vous n'en avez que 2 millions de, de, de troupes. Si vous augmentez la capacité de votre flotte, attention, vous en aurez plus deux de complète. Vous n'en aurez qu'une seule qui sera complète. L'autre où il y aura moins de troupes. Faites attention. Flotte d'urgence. On s'est beaucoup posé la question à quoi ça servait. Ça augmente simplement la vitesse d'attaque vers les monstres de 100% pendant deux heures. Donc quand il y, y a en règle générale l'événement euh, où il faut tuer les monstres, ben, les gens ben, ils activent ce mode-là et ça leur permet d'aller plus vite sur les monstres. Premier arrivé premier service bien évidemment quoi vous dire aussi l'auto-combat de monstres qui est une option payante j'en suis désolé j'y suis pour rien qui vous permet d'attaquer automatiquement vos monstres comment ça fonctionne ça fonctionne du plus haut au plus petit non c'est l'inverse du plus petit au plus haut ici vous choisissez le nombre de flottes que vous voulez envoyer dans abc vous cliquez dessus vous choisissez la flotte que vous voulez envoyer c'est-à-dire, par exemple, si vous avez, une, si vous avez la capacité qu'il faut, ou en fonction de ce que c'est, vous voulez envoyer 5 flottes, par exemple. Euh, vous envoyez comme moi, vous voulez envoyer 3 flottes. Vous prenez le numéro 3, vous êtes à, à... Je suis arrivé. À un tiers de la capacité de tout ce que vous avez. Et bien, vous la rentrez sur les trois lettres. Bon, la seule différence, c'est qu'il n'y aura pas les zombies à la fois suivante, parce que forcément, ils seront partis déjà au premier. Voilà. Définir la distance maximum de marche. C'est la distance de votre ville. Le minimum, c'est 2 minutes. Ici, les deux... Euh, je vais dire réservoir n'importe quoi. Faut que je dorme, faut que je, je, je prenne des vacances aussi. Euh, les jérikanes d'essence qui, qui correspondent à la mobilité. Vous pouvez mettre directement dedans le nombre qui vous intéresse. Ça permettra que, euh, quand ça sera activé, ben, si vous n'avez plus de mobilité euh, de base, ben, ça tapera directement dans les petits bonus que vous aurez rajoutés. Carte hebdomadaire d'autocombat de monstres restantes. Bon, vous le voyez, là, il m'en reste 0. Du coup, pour l'activer, il faut cliquer sur le petit plus faut aller sur le tout premier et ça coûte malheureusement ou pas pour certains. Parce que quand on voit certains qui arrivent à cracher euh, 10 000 euros par jour, ça fait peur. Ça coûte 5 petits euros. Bah il vous suffit de cliquer dessus et, euh, et de l'acheter. Oui, continue. Voilà. Donc là, vous voyez, ça me renvoie directement sur ma page pour acheter. Soit vous utilisez, bon, moi je passe via App Gallery pour ceux qui ne le savent pas encore. L'avantage de App Gallery, c'est que euh, vous le voyez en fonction des dates et en règle générale. En règle générale, c'est 10% que vous récupérez à chaque achat. Vous les récupérez en points. Et là, actuellement, encore jusqu'à. Aujourd'hui, jusqu'à ce soir minuit, vous pouvez avoir jusqu'à 20% de, de, de récupérer en points. Que vous payez en carte bleue, que vous payez via votre téléphone. Alors, les téléphones, je précise que ça fonctionne que chez SFR et. Je suis arrivé. Ah, oh, celui que j'aime pas du tout. Ah, oh, je vais devoir cliquer dessus et. Oh Ah ben Tu t'as fait n'importe quoi. Bouygues ça y est, j'ai trouvé le nom, celui que j'aime pas du tout. Voilà. Donc vous cliquez là. Donc si vous êtes chez SFR et Bouygues, ça fonctionne. Si vous êtes chez SFR euh, Free et compagnie. Eh ben, ça ne marchera pas. Voilà. Donc après, vous cliquez sur paiement. Euh, surtout, vous n'hésitez pas. Là, je vais vous le faire, histoire que vous puissiez voir. Là, vous rentrez votre code, qui va bien. Je vais mettre pause pour pas que vous voyez mon petit code. Voilà. Donc là, on est passé au stade suivant. Récupérer mon petit point qui m'intéresse. Surtout, n'hésitez n'oubliez pas de cliquer sur demander pour récupérer le point. Si vous ne le faites pas, c'est des points que vous perdez. C'est quand même un peu dommage. Et là vous faites ok. Et là du coup ben, euh, j'ai gagné l'or qu'elle est avec, forcément. Je récupère mon pack. Forcément avec le pack il y a ça en plus. Et cette fois-ci, j'ai l'auto-combat. Donc là, vous le voyez, l'autocombat est maintenant activé pour 6 jours et 23 heures. Là, si je clique dessus, hop, mon but c'est de faire les rows. Toc. Donc là, vous voyez, ça fait partir directement mes trois troupes. Vers les zombies que j'ai réglé. Alors, forcément, si vous en avez un qui passait avant vous, ben il l'a tué, il l'a récupéré, euh, c'est cuit quoi. Donc, pensez bien à faire attention. Ou quand c'est l'événement qu'il faut tuer euh, les monstres, euh, pensez éventuellement à prendre votre ville, à la téléporter. éviter de mettre la ville sur la terre noire ça bouche une place pour les euh, pour les zombies. Vous la mettez là, par exemple, ça gêne pas trop et vous gardez toujours toute la place qu'il y a dessus. Voilà, maintenant vous savez tout sur nos chers petits zombies qui peuple notre petit monde. Bon par contre je vais l'arrêter parce que sinon il va me sniffer euh, ce qui reste. Et j'en ai encore besoin pour autre chose. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, j'en suis évidemment ravi. N'hésitez pas à me rejoindre et pour plutôt aussi de ne pas dire euh, venez nous rejoindre sur le discord que j'ai créé spécialement pour nos petits français qui s'appelle Edge of Z hop là, en français j'ai mis pas mal de Allez, je vais faire une bêtise encore j'ai mis pas mal d'anglais qui vous permet à la fois de retrouver éventuellement mes vidéos, de discuter de bien des sujets pour ceux qui veulent les aborder. Vous pouvez également m'écrire directement dessus pour me poser des questions, ça ne me dérange pas. Je suis après tout là pour ça. Je vous mettrai bien évidemment dans la description de la vidéo le lien d'invitation pour venir nous rejoindre. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt